فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد donc aujourd'hui la leçon que l'on va étudier ensemble c'est nous allons donner dix moyens, dix observations, dix points, afin de se préserver, afin de s'écarter des péchés. Parce qu'il n'y a rien qui peut plus gâcher ta vie, il n'y a rien qui peut euh, te t'amener à la perdition que les péchés. Les péchés, ils peuvent te détruire. Regardez là, à vous, vous êtes encore jeune. Vous êtes entre ce monde, à la fois de l'éducation que tes parents t'ont donnée, à la fois des principes que tes parents t'ont donné, ils t'ont enseigné, ils t'ont appris, et à la fois le monde de dehors, ce que tu vois à l'école, ce que tu vois euh, euh, au sport, ce que tu vois à la télé, ce que tu vois dans les réseaux sociaux, ce que tu vois dans les films, ce que tu vois. Donc en réalité, il n'y a rien de plus beau à votre âge que de connaître à la fois les péchés, parce que si tu ne sais pas... Qu'est-ce qui est interdit, comment tu, veux ton, comment tu peux t'en préserver. Et surtout, il n'y a rien de plus beau que de savoir comment te protéger des péchés. Comment te préserver des péchés. Donc les savants nous donnent 10 points. Nous allons les étudier rapidement ensemble. Donc je vous, ai, je vous les ai écrits tout à l'heure au tableau. Je vous ai demandé de les écrire dans votre cahier. Donc rappelez-moi. Vas-y, Adam, lis le premier. N'oubliez pas l'amour. C'est pas le premier, ça. Qui a écrit le premier Yanni rappeler de la grandeur d'Allah, nous voit. Exactement. Le, la première des choses, c'est de te souvenir, te rappeler de la grandeur d'Allah. Toi, lorsque tu es prêt à commettre un péché, lorsque tu es prêt à désobéir à Allah, lorsque tu es prêt à regarder une mauvaise chose, à écouter une mauvaise chose, Souviens-toi la grandeur d'Allah. Souviens-toi de la grandeur de celui dont tu vas désobéir. Il y a une parole que certains savants ont ramenée et qu'est-ce qu'ils ont dit Ne regarde pas la petitesse de ton péché. C'est pas parce que tu regardes une petite chose ou tu fais un petit péché, mais regarde la grandeur de celui que tu désobéis. N'oublie pas qu'Allah il te voit. N'oublie pas qu'Allah il t'entend. Wa Donc, lorsque tu es prêt à regarder, prenons l'exemple des réseaux sociaux, prenons l'exemple des vidéos. On sait tous que lorsque tu rentres sur YouTube, lorsque tu rentres sur. Euh, euh, quand, tu, quand tu vas sur les réseaux sociaux d'une manière générale, vous êtes tous d'accord qu'il y a des mauvaises vidéos. C'est vrai ou c'est pas vrai Ou c'est moi qui. Vrai. Vous êtes d'accord on peut très facilement glisser. On peut très facilement regarder des mauvaises choses. C'est vrai ou c'est pas vrai Ben lorsque tu es prêt, lorsque ton âme elle t'appelle, t'es prêt, t'as envie de regarder ça, souviens-toi qu'Allah il te voit. Souviens-toi qu'Allah Ta'ala ta il connaît exactement ta situation. Allah il sait exactement ce que tu fais. Il connaît exactement ton fort intérieur. Lorsque tu vas te rappeler qu'Allah te voit, cela va t'aider à arrêter ce péché. Regarde un autre exemple. Tu es prêt à regarder une mauvaise vidéo et tu sens que ton père il monte dans les escaliers ou ta mère elle monte. Tu fais quoi Yanni euh, T'éteins, <laughs> tu caches, tu. C'est vrai ou pas c'est vrai, tu es d'accord avec moi Ça veut dire qu'en réalité, on se cache devant qui On n'oserait même pas regarder des choses devant nos parents ou devant euh, d'autres personnes. Alors que là, Allah, il te voit. Allah n'est pas plus important que nos parents, bien sûr. D'accord La deuxième des choses, c'est... N'oublie pas l'amour d'Allah au risque d'en être privé ça veut dire quoi cette phrase ça veut dire que lorsque tu désobéis à Allah tu risques de perdre tu risques d'être privé de l'amour d'Allah envers toi parce qu'Allah Ta'ala il aime ceux qui demandent le pardon Allah il aime ceux qui se purifient Allah il aime ceux qui font des bonnes actions qui sont bienfaisants mais le fait de commettre des péchés, qu'est-ce que ça te fait gagner Ça te fait gagner la colère d'Allah. Imagine, Allah est en colère contre toi. Donc toi, quand tu es prêt à faire ce péché, et que tu vas prendre conscience que je vais rendre Allah en colère contre moi, non, je ne tombe pas dedans. Je ne le fais pas. Pareil pour, on va prendre toujours le même exemple. Ton mu'alim, ton enseignant. Ton proviseur à l'école ou tes parents. Tu sais que si tu fais ça, tu vas mettre en colère tes parents. Tu vas mettre en colère ton moalim. Tu vas mettre en colère tes enseignants à l'école ou ton entraîneur au sport. Tu le fais ou pas? Tu sais que tu vas les mettre en colère. Tu le fais pas. Imagine que là, on parle d'Allah, du Seigneur de l'univers, du Créateur des cieux et de la terre. Donc fais attention à ne pas mettre Allah Azza wa en colère et fais attention surtout à ne pas être privé de l'amour d'Allah Subhanahu wa Taala. La troisième, Inès troisième phrase que je vous ai demandé d'écrire. Souviens-toi des bienfaits qu'Allah Azza wa t'a donné. Ça c'est magnifique. Lorsque tu es prêt à désobéir à Allah, souviens-toi comment Allah il a été bon, comment Allah il est bon envers toi. Allah il te donne la santé ou pas? Allah, il te donne le corps que tu as ou pas. Allah, il te donne les aliments pour manger, il te donne la boisson pour boire, il te donne l'air pour respirer. Allah, il t'a donné une famille. Allah, Azzawajal, il t'a préservé. Regarde comment Allah, tabaraka wa ta il est bon envers toi. Allah, il t'a guidé vers l'islam. Allah, il est bon envers toi. Est-ce que tu trouves normal que quand quelqu'un est bon envers toi, tu lui désobéis on reprend toujours le même exemple de tes parents. Tes parents, ils t'achètent ce que tu veux. Ils répondent oui favorablement à ce que tu leur demandes et toi à côté tu leur réponds ou tu, le, tu leur désobéis. C'est logique ou pas C'est pas logique. Et ça c'est que des parents. Enfin, c'est que des parents. On connaît la place importante de nos parents. Mais comparé à Allah Azza wa il n'y a aucune comparaison possible. D'accord Donc, souviens-toi, lorsque tu es prêt à désobéir à Allah souviens-toi que Allah Azza wa il a été bienfaisant, il est bienfaisant envers toi. Dans ce cas-là, ne, ne lui désobéis pas. D'accord Ne lui désobéis pas. Et c'est pour cela qu'à cause des péchés, Allah Subhanahu wa Ta'ala, il envoie la punition et le châtiment des peuples. C'est pour cela qu'on a dit, donc la quatrième, c'est quoi la quatrième phrase Adam. Pas que tu risques de mettre Allah en colère. Donc ça, on l'a dit tout à l'heure avec l'amour d'Allah. N'oublie pas la punition et le fait que tu, euh, tu risques de mettre Allah en colère. Regardez le peuple de Noé, le peuple de Noé. Ils ont désobéi à leur messager. Allah les a noyés. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été noyés dans le déluge C'est leur péché. et C'est à cause de leur péché. À cause de leur péché, ils ont été noyés et ils ont été entrés dans le feu. Pourquoi le peuple de Pharaon, il a été noyé Pourquoi le peuple de Pharaon et ceux qui ont suivi le Pharaon, son armée, qu'ils ont, désobé, qu ont désobéi au prophète Moussa, ils, ils seront dans, dans l'enfer au moment où on parle, ils sont châtiés dans leur tombe. À cause de quoi À cause de leur péché. Pourquoi des gens seront châtiés dans l'enfer À cause de leur péché. Etc. Donc regarde, attention à la colère d'Allah et à ça, et à sa punition. Et lorsque tu prends conscience, lorsque tu prends conscience de, de la punition d'Allah Azza wa du péché que tu prends et du risque d'être puni, cela va t'aider à ne pas commettre des péchés. Naam, sixième phrase, Yani Sois plus fort que plus... le Il y en a une avant. Hein? Vas-y, vas-y, Adam. Tu risques de perdre un grand bien. Exactement, tu risques de perdre un grand bien. Ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque tu fais un péché, tu risques d'être privé du bien qu'Allah t'a octroyé. Et surtout des fois quand tu délaisses une chose pour Allah des fois tu as envie de faire quelque chose tu aimes bien quelque chose mais tu, as, tu sais que tu n'as pas le droit tu sais que c'est haram dans ce cas là tu le délaisses pour Allah Allah wa ta va te le remplacer par quelque chose de de meilleur d'accord Vas-y Adam continue sois, sois plus fort que ton âme et que le shaitan parce que dans ta vie tu vas avoir deux Causes qui vont essayer de te détourner du droit chemin. Deux causes qui vont essayer de te ramener en enfer. Premièrement, c'est ton âme. Parce que notre âme, elle nous appelle au mal. Ton âme, elle t'appelle à désobéir à Allah. Dans ce cas-là, soit plus fort que ton âme. C'est une lutte que tu as entre toi et, <laughs> et ton âme. Et également, une cause extérieure qui est le shaitan. Dans ce cas-là, ne suis pas les suggestions de shaitan qui t'appellent. À désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala qui t'appelle à tomber dans la désobéissance et dans les erreurs. D'accord Délaisse le péché, tu auras mieux. Délaisse le péché, tu auras mieux. Donc ça on l'a expliqué tout à l'heure que lorsque tu délaisses une chose pour Allah, Allah tabaraka wa ta il te donne une belle vie. « Celui qui craint Allah, Allah wa lui donnera des issues favorables. » Quand tu vas craindre Allah, et ça, ça retenez cette leçon parce qu'elle est capitale et importante. Des fois, tu auras dans ta vie des choix à faire, des orientations à choisir, des choix à faire. Choisis toujours quelque chose qui est en conformité avec la religion d'Allah. Même si dans cette chose, dans le métier que je pourrais faire, ou dans la voie que je pourrais prendre, je dois désobéir à Allah, mais je vais peut-être gagner plus d'argent. Délaisse ça. Tu sais que c'est interdit. Tu sais que, que lorsque tu as demandé conseil à des gens qui veulent ton bien, à des gens qui ont la science de la religion, ils t'ont dit, cette orientation n'est pas bonne pour le musulman. Ce métier n'est pas convenable pour le musulman. Ce type d'étude n'est pas convenable pour le musulman. Ce sport n'est pas convenable pour le musulman. Ce, euh, la personne avec laquelle tu vas, pour, tu vas, tu vas vouloir te marier n'est pas, euh, ne, 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 pas compatible avec le comportement de la musulmane ou du musulman, etc. Lorsque tu vas avoir des conseils et toi, au fond, tu as envie, mais tu sais que ce n'est pas le bon choix, délaisse. Une chose pour Allah Azza wa Jal et Allah Tabaraka wa Ta'ala te donnera meilleur que, que cela. N'aam. Le huitième, la huitième observation. N'oublie pas qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala est avec les croyants. Ce qu'on appelle al ma'iyah, al-khasa, La compagnie d'Allah Azza wa Jal. Ça c'est un point toute votre vie, retenez-le. Allah, Tabaraka Wa Ta'ala, il est avec, les, avec ceux qui le craignent, avec ses serviteurs repentants, avec ceux qui se purifient, avec ses serviteurs pieux, avec ses serviteurs qui, euh, euh, qui, qui le craignent. Ça veut dire que lorsque tu crains Allah, tu sais qui va te secourir C'est Allah. Lorsque tu vas, lorsque tu crains Allah, tu sais qui va te soutenir c'est Allah. Lorsque tu crains Allah, tu sais qui va te protéger, c'est Allah tabaraka wa ta Allah Azza wa va t'accompagner, il va t'assister. Subhanahu wa ta'ala. Alors que celui qui désobéit à Allah, regardez la grande perte. Il a tout perdu. Il va perdre cette, euh, cette compagnie immense qui est la compagnie de, de notre Seigneur Subhanahu wa ta'ala. Et le fait qu'Allah t'accompagne, c'est dans le sens qu'Allah il t'aide, il te secourt, il répond à tes invocations. Subhanahu wa ta'ala. Naam? Tu peux mourir à tout moment. Subhanallah, le neuvième point, c'est qu'en réalité, souviens-toi que lorsque tu commets ce péché, tu peux mourir. Tu peux mourir à tout moment. Tu peux mourir à tout moment, subhanallah. Combien de personnes, elles ont pris leur voiture, elles étaient chez elles, au chaud. Elles sont sorties de chez elles. Elles ont pris leur voiture. Elles ont pris leur vélo. Elles ont pris leur trottinette. Elles ont pris leur moto. Peu importe. Elles ont marché vers un endroit pour désobéir à Allah. Et elles sont mortes sur la route. Combien de personnes y sont mortes en train de regarder des mauvaises choses Moi, j'ai été appelé un jour pour laver un mort. On l'a retrouvé assis devant la télé. Il est mort comme ça. Il est mort assis dans son canapé en train de regarder la télé. Imaginez-vous les dernières choses qu'il a vues avant de mourir. On sait que la télé, il y a plus de mal que de bien. Vous êtes d'accord avec moi Imagine, tu meurs dans cette situation-là. C'est pour cela qu'on doit prendre conscience que la mort, elle vient sans prévenir. La mort, elle ne te demande pas la permission. Tu n'es pas prévenu. La mort arrive sans prévenir, subitement. Ça veut dire que le musulman, il doit être constamment dans l'adoration d'Allah Azza wa D'accord Nous, on ne peut pas savoir quand est-ce qu'on va mourir, mais tu sais que si tu meurs, tu as accompli tes prières dans la journée. Tu as accompli ce qu'Allah Azza t'a demandé. Dans ce cas-là, tu vas partir serein. C'est pour cela que le croyant, lorsqu'il meurt, Allah il lui envoie les anges. Qu'est-ce qu'il dit les anges Qu'est-ce qu'ils lui disent La ta'haf wa la ta'hzan. Au moment de ta mort, tu ressens deux choses. Tu ressens deux choses. Au moment de la mort, tu sais, tu vois l'ange arriver, tu sais que ça y est, c'est le moment où tu vas mourir. Tu ressens de l'angoisse, de la peur, et tu ressens de la tristesse. Mais pour le croyant, celui qui a craint Allah, celui qui a prié ses prières, celui qui a suivi le modèle de notre noble prophète Mohammed, vous savez ce que les anges ils disent au moment de sa mort Certes, ceux qui ont dit « Notre Seigneur est Allah » et qui sont restés sur la droiture. Ça ne suffit pas d'adorer Allah que lorsque tu as cours à la mosquée. Ça ne suffit pas d'adorer Allah que le jour des cours, que le week-end, ou que le, 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 le soir quand tu viens ici à la mosquée après les cours. Ça ne suffit pas. Ça suffit pas d'adorer Allah que pendant le mois de Ramadan. Ça ne suffit, ça suffit pas d'adorer Allah que le vendredi, que l'Eid que quand il y a un malheur que quand il y a un mariage non tu adores Allah chaque instant chaque moment et si tu adores Allah azza wa chaque instant chaque moment jusqu'à ta mort au moment où tu vas mourir tu sais ce qu'ils vont te dire les anges n'ayez pas peur n'ayez pas peur parce que la peur elle vient quand elle vient de ce que tu ne connais pas alors les anges ils te disent n'aie pas peur parce que tout ce qui t'attend c'est du bien ne sois pas triste <laughs> la tristesse elle vient quand de ce que tu as laissé. Tu es triste d'avoir laissé ta famille. Allah, Azzaw, les anges, Allah il envoie les anges et les anges te disent, ne sois pas triste, parce que c'est Allah Azzawajal qui va préserver ta, ta famille. <inaudible> et recevez la bonne annonce du paradis qui vous était promis. Et c'est pour cela que le prophète, il nous informe de cela. Multiplier le rappel de la destructrice des plaisirs. Également, une parole qui est connue, lorsque tu viens au soir, n'attends pas le matin. Tu sais pas, toi tu sais pas, un exemple, tu te dis, bon, il est temps que je prie. Tu dis, bon, vas-y, je commence demain, non, commence maintenant. Dès aujourd'hui, tu prends cet engagement envers Allah Azza wa de commencer tes cinq prières et de ne plus jamais les rater. Dès aujourd'hui, tu prends cet engagement auprès d'Allah Azza wa de mettre le hijab jusqu'à jusqu ta mort. Dès aujourd'hui, tu prends l'engagement auprès d'Allah Azza wa de ne pas désobéir à tes parents. Dès aujourd'hui, tu prends l'engagement auprès d'Allah Azza wa de suivre le chemin de l'islam et de t'écarter de, de la cigarette, de, de, des drogues, de t'écarter des euh, de l'alcool de t'écarter de, de, de l'argent haram de t'écarter de toutes ces choses là qui risquent de courir de courir à ta perte la dernière chose na ne commets pas de péché tu seras préservé des malheurs ne commets pas des péchés tu seras préservé des malheurs ça veut dire quoi ça veut dire que celui qui obéit à Allah Allah wa ta le préservera Allah subhanahu wa Taala il lui donnera le salut. Le salut, c'est-à-dire le fait que tu es préservé contre toutes les mauvaises choses. Ça, ça vient quand Quand tu as obéi à Allah. Wa Mais lorsque tu t'éloignes d'Allah, lorsque tu, euh, tu arrêtes, tu, lorsque tu désobéis à Allah, tu es noyé, plongé dans les péchés, tu es emprisonné de tes péchés, alors ici, tu vivras une vie d'épreuve, une vie compliquée. Parce que celui qui ne se rappelle pas d'Allah, qui se détourne du rappel d'Allah, qui se détourne de la, de la religion, il n'aura que des problèmes dans sa vie. Il vivra une vie serrée, le cœur serré, même s'il a de l'argent, même s'il a de la notoriété, même si, même si, comme tous les influenceurs et les influenceuses que vous voyez là, vous n'entendez pas des influenceuses ou des influenceurs qui se sont suicidés Alors tu te dis, mais... Comment il y a de l'argent, il, il habite à, à, dans tel pays, ici et là, des grandes voitures, ceci, cela. Mais les gens, ils se suicident, les gens, ils divorcent, les gens, ils, ils prennent des médicaments. Pourquoi Parce qu'ils ont le cœur serré. gardez nous le musulman. On n'a pas besoin de médicaments pour dormir. Subhanallah, regarde notre cœur, comment il est apaisé. Lorsque tu adores Allah, lorsque tu crains Allah, ton cœur, il est apaisé, ton cœur, il est serein. Parce que même des rois et des reines des millionnaires et des milliardaires n'auront pas ce cœur apaisé là. D'accord, donc retiens à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu t'écartes, tu abandonnes les désobéissances. Et si tu es tu, tu as commis des péchés, tu commets des péchés, multiplie multiplie la demande de pardon puisqu'Allah Azza wa dit dans le Coran Dit, Ô oh mes serviteurs qui ont commis des excès à leur propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Pourquoi on ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah Car Allah pardonne tous les péchés. Car Allah, il pardonne tous les péchés. Il est le grand pardonneur et le miséricordieux, à nous de se repentir, de demander à Allah de nous pardonner et d'avancer et de s'éloigner et de s'écarter des péchés. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kana min ahli la ilaha illallah kana min ahli